c'est Facebook qui a enlevé les étoiles. Bonjour à tout le monde. Dis-moi un peu, voilà, c'est Facebook qui a enlevé les étoiles, mais comment? Je ne comprends pas. Dans même tout mon âme qui était là dedans, c'est parti. Bonjour la famille. Joseph Chamambe, ça dit quoi? Marie Kameni. Mela Mamisa. Marie Kameni. C'est le nom de l'autre, ma grand-mère. D'une autre mère. Ah, Mamie Kameni. Elle est morte l'an passé. Mamie Tresia. Mamie Kangmani. Tresia. J'espère que vous allez bien, vous tous. Bonjour, bonjour, voilà. On est là. Vous voyez, non? Comment au Cameroun on se bat, non? Les gens se battent. Mais même comme ça, là, ils pleurent. Ça veut dire que ça ne va pas. Reste dehors. Fais ta vie bien dehors, mon frère. Voilà. Fais ta vie. Fais ta vie. Fais ta vie là où tu es. Dans la vie, on peut faire sa vie partout. Voilà, donc arrêtez d'embrouiller les gens. Et on fait sa vie là, on se sent mieux. Bien. On fait sa vie là, on se sent mieux. Là, on trouve son âme. Ouais. Donc voilà. On fait sa vie pas. Voilà, là où tu as trouvé ton gars, ton bon gars, ta bonne femme. Tu es ta vie. Alors, on fait pas sa vie là où on a un avenir incertain. Là, moi, je demande aux gens. Hein. Et on dit, ah, Mbanga, vraiment, pourquoi tu dénigres le Cameroun? Mais c'est parce que je travaille. J'ai le droit de parler du Cameroun. Je travaille ici. Voilà, je me bats ici, là. Voilà. C'est pourquoi les Camerounais, tout le monde se vit dans la fonction publique. Alors, les gens ne vont pas à la fonction publique pour servir le public. Les gens vont dans la fonction publique pour se servir. Regardez les édifices publics, à quoi ça ressemble. Allez dans les sous-préfectures, il n'y a pas de barrières. Ouais, ouais, regardez. Et regardez bien les bureaux de l'époque. Allez à Bonanjo, vous allez voir les impôts, la communauté. Ils ont les bureaux. Ils ont les bureaux. Ils ont les barrières. Les vieux bâtiments des temps de colons. Ils ont les barrières. Mais regardez les nouvelles sous-préfectures. Depuis l'arrivée des Africains à la tête de leur État. Regardez bien. Ils s'en fichent. Ils sont fonctionnaires de nom. Ils sont fonctionnaires de nom. Juste pour voler. Regardez les impôts. Le centre des impôts. Il n'y a pas de barrières. C'est-à-dire que là où on garde l'argent du Cameroun, il n'y a pas de barrières. La fonction publique est devenue un fonds de commerce. Bon, là, on va passer par ici, là. On va pas la peine. Mais si tu peux pas derrière moi, mon frère. On t'a envoyé, dis donc. Encore un bichement du système, non, mon frère. Oh. Ouais, franchement, le Cameroun, c'est terrible. Quand moi, je dis aux gens que non, fais ta vie. Fais ta vie là-bas. Fais ta vie là-bas. Tu as ton gars, fais ta vie là-bas. Voilà. Ici, il n'y a que l'esprit de l'échec. Voilà, sauf si tu seras un mamailleur, ça veut dire que tu vas abuser tes frères. Ton nom va sortir un jour. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes que vous voyez là. Et non, je m'en sors au Cameroun bien. Non, laisse ça, dis donc. Tu vas voir un gars, il prend la photo de Pobia. Il tape en haut là-bas. Donc tu pars dans son bureau. C'est un bandit. Voilà. Quand tu rentres dans un bureau, un jeune gars, il se débrouille. Il a pris la photo de Pobia, il l'a mis en haut là-bas. C'est un bandit. C'est un bandit. Voilà, c'est le motion. Trafic d'influence, ça a commencé. Trafic d'influence, ça a commencé. Il a un câlin là. Ah, le gars, on peut fermer. Voilà. Trafic d'influence. Voilà, il est l'ami de tout le monde. Voilà, il fait l'amitié de tout le monde. Toutes les autorités sont ses amis. Voilà, c'est un bandit. Comment? Un travail fait quoi, les amis? Un homme qui est occupé là, qu'est-ce qu'il a à foutre?
Mais tout ce tas d'amis fonctionnaient, il faut pas avec eux. Non, j'ai un meeting, j'ai un petit déjeuner à prendre avec le gouverneur. Mon frère, tu n'impressionnes personne, laisse ça. Voilà, je suis, je suis camerounais. Voilà. Dis donc, mon ami, c'est un colonel. Mon frère, laisse ça, on ne connaît pas. Si on te dit, nous n'avons pas d'amis, les gens que nous on fréquente, tu ne peux pas imaginer. C'est pas, tu es un bandit, tu ne peux pas d'abord te sortir. Ah oui, tu ne peux pas t'apporter de sortir. Que non, je ne peux pas rentrer au Cameroun, vivre au Cameroun. Oh. Tu vas faire quoi? Tu vas t'en sortir comment? Alors, les gens s'en sortent dans les affaires au Cameroun parce que la fonction publique est devenue le fonds de commerce. Les gens volent. Ils touchent dans les affaires. Ils volent, ils touchent dans les affaires. Voilà. Je connais les boîtes de nuit au Cameroun, ça appartient à certains hommes d'affaires, certains fonctionnaires. Mais devant, tu vois un homme d'affaires, un semblant d'homme d'affaires. Même comme ça, ils vendent les faux whisky. Même comme ça, ils vendent les faux whisky. Voilà. Ça veut dire que, après le colon, là, l'Africain a pris la fonction publique comme un fonds de commerce, comme de la roubladise. Elle dit qu'un endroit où quand ton frère procureur, c'est pour se vanter, au lieu de faire son bon travail. On ne dit pas qu'il n'y a pas de magistrats qui ne travaillent pas bien. On ne dit pas qu'il y a des commissaires qui ne travaillent pas bien. Mais c'est devenu un fonds de commerce. Certains bons fonctionnaires cèdent aux caprices de leur famille. Tu vois, un gars veut bien travailler. Mais son frère lui dit que mais tu ne vois pas le procureur là. Mais il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Mais tu ne vois pas l'inspecteur des impôts là. Il a beaucoup d'argent. C'est, il a conçu la maison de son père, de sa mère. Hein? Il a acheté telle chose. Il a les immeubles. Le gars aussi cède. Pourquoi? Parce qu'ils ont la mentalité du Cameroun. Monsieur Biya n'a pas mis une politique sur pied de valoriser le patriotisme. Être un patriote ne veut pas dire que tu vas voler ton pays. Être un patriote, c'est d'aimer son pays. Servir le public, ce qu'on dit la fonction publique. Tu es là pour servir. Tu es au service de la fonction publique. Tu n'es pas au service pour te servir toi seul. Ou bien pour servir certaines personnes. Regardez, voilà, on est dehors depuis. Moi, je suis dehors depuis 4 heures. Tous les risques vont avec. Il n'y a pas de sécurité, rien. Là, comme ça, là, on jongle pour s'en sortir. Un gars qui dit que non, je vais laisser. Mon ami, laisse, ferme ta bouche. Même les fonctionnaires qui ont 1 million au Cameroun, même les gens qui ont 1 million de francs au Cameroun là, ne s'en sortent pas. Ils sont obligés de jongler. Là, tu vois un gars, il travaille dans une société. Il a 1 million. Mais il s'en sort pas. Parce que rien n'est bien fait. Voilà. Les pouvoirs publics ont foutu le camp. Voilà. Voilà, c'est les édifices publics qui vont bien t'aider. Tant que tu pars dans un bureau, au lieu de perdre le temps 15 minutes pour signer un document, ça te prend 2 heures de temps. Tu vas échouer. C'est clair, tu vas échouer. Voilà. Parce que les services publics sont là. Toi, l'homme d'affaires, toi, le citoyen, tu ne peux pas t'en passer des services publics. Tu ne peux pas t'en passer des services publics. Si pour signer un document, ça doit te prendre 4 mois, 6 mois. Alors qu'en France, à Singapour, on ouvre une société en 24 heures. C'est-à-dire qu'à Singapour, quand tu amènes tous les documents, l'un des plus grands pays du monde, on ouvre une société en moins de 24 heures. Voilà, tout, mais oui. Mais ici, là, tu peux avoir la volonté, l'intention, mais l'échec vient du pouvoir public. Parce que vous savez, réussir d'abord émane de ta volonté, de tes intentions. Si tu as l'intention de réussir, la volonté de réussir, c'est une bonne chose. Mais alors, ça ne suffit pas. Le plus important, c'est les pouvoirs publics. Ça va facilement. Quand les pouvoirs publics, quand c'est bien construit, quand tout est bien fait, non, tu n'as pas de problème. Tout va comme sur les roulettes. Parce que les pouvoirs publics sont là pour faciliter la tâche à ceux-là qui veulent entreprendre. Voilà. Par contre, acheter des biens. Tu m'achètes les biens là, c'est sûr que les enfants sont partis à l'école. Tu me prends les biens de 125 là. Bonjour madame. C'est là ouvert. Pardon. Bien sûr.
Ah, ok. Mais il te dit, mon frère, il te dit, c'est you wonder. Mon frère, envoie-moi l'argent là par Orange Money, non? Envoie-moi ça par Orange Money. You wonder, mon frère, c'est comme si Mark Zuckerberg a enlevé les étoiles. You wonder, c'est moi. Viens, on va prendre les billets là. Il te dit, il n'arrive pas. Hein? On n'arrive pas à m'envoyer les étoiles. Super, super, ils font les bons biens. Bonjour. Comment? J'adore ce bien ici là. Comment tu Tu vas où? Viens, non? Ah, mets ça là. Il nous faut le chocolat. Va nous chercher la boîte de chocolat là. Madame, le chocolat, c'est pas où? Ok. Nous voici au Cameroun. Est-ce que tu peux tenter de dire que tu vas manger dans un supermarché comme ça là? Tu sors, tu pars. Tu tiens pas les dos. On va te taper comme un serpent. Alors qu'en réalité, tu dois avoir un budget que quand tu viens ça là, tu as faim, tu manges. Tu sors, tu pars. Mais comment ça se passe dans les vrais pays? Là on sait que les gens souffrent. J'adore bien Nutella. Ah, il y a bien bien Nutella. Va rester Nutella. J'aime bien Nutella. Ah, ma chérie, si tu vis au Cameroun et tu travailles, que tu ne dois pas mettre ta part sur toi. Tu vas mourir comme un rat. Mais ça. Tu vas tout casser. Et comment non? Ça fait longtemps. Tu vas partir. Quoi, quand tu l'as parti. Un directeur. Fais-toi rester ici là. Tu t'en sors le salaire bon. Non, comment tu vas? Tu vas faire quoi d'ailleurs? Faut rester au Cameroun. Le Cameroun est bien. Hein? Ouais, on va abandonner comment? Eh, n'est pas n'importe quoi, hein. Comment ça tu perds ton travail pour rien? C'est quoi non, champion? Voilà, j'adore le métier là. Allô, madame, bonjour. Comme si elle fait l'erreur en prenant un petit beignet. Hein. Je vais payer par MTN Money. Est-ce que l'argent là suffit? Sauf si c'est l'argent. Là. Non, non, ça va, madame. Ouais. C'est là, il y a l'argent dans mon téléphone, si là, je suis en direct. C'est bon, non? Prends le truc un peu. On
va. Je vous jure que c'est terrible. Hein? Mais c'est Facebook ou bien c'est quoi? Hein? Tu viens au Cameroun, dis que non, je vais vivre au Cameroun. Non, je vais vivre comme un Camerounais. Mon ami, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ton corps n'était plus habitué à souffrir. Et voilà, les gens disent que non. Banga, vraiment. Voilà pourquoi le Cameroun est dur. C'est parce que le coût de vie pour un ancien Benguis, c'est pas facile. Voilà. Et quand Dieu a changé ton style de vie, suis seulement la volonté de Dieu. Tu tentes, tu laisses ta peau. Et voilà, les gens meurent ici chaque jour, non? Parce qu'ils ne veulent pas bien manger. Tu le vois là. Non, c'est bien le tourne d'eau. Il faut souvent manger, oui, c'est bien. Mais pas chaque jour. Pas chaque jour. Ah oui, oui. Dis que non, il veut faire comme un white. Mais mon ami, c'est ton style de vie que tu t'es habitué depuis. C'est ce qui est bien pour toi. Voilà. Beaucoup viennent ici là, non? Tu peux voir un gars, aucune sécurité, il marche seul. Mais comment? Comment tu marches seul? Hein? Tu vois quelqu'un qui est. Quelqu'un qui a les dos, il est au Cameroun, là, tu le vois partout, il marche seul. Tu le vois à 2 heures. Mais mon frère, grand frère, tu fais quoi dehors avec tout l'argent que tu as là? Mais grand, est-ce que tu as un cadre chez les Blancs? Hein, tu as 7000 euros par mois. Et au Cameroun, tu marches seul. Non, c'est mon pays, rien ne peut m'arriver. Ah bon, hein? Bon, tous tes problèmes de la vie sont arrivés au Cameroun. Ton pays ne t'a pas donné le travail. Tu n'as pas eu le travail au Cameroun. Si c'était ton pays là, ça devait tout te donner. Donc arrête-moi ça. Une fausse manière de penser. Non, c'est mon pays, non? Il faut être. Non, c'est pas une affaire d'humble. C'est une affaire de réalité. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle la vérité et la réalité. Voilà, la vérité, c'est que c'est ton pays. Mais ça ne t'a rien apporté. Ton pays ne t'a rien donné. On n'embrouille pas les gens. Tu aimes le Cameroun plus que qui? Alors, pourquoi tu n'as pas épousé une Camerounaise? Pourquoi tu n'as pas fait comme moi? J'ai épousé une Camerounaise. Arrête ça, dis donc. Je vis au Cameroun. On te parle de la réalité. Tu vois un gars vient au Cameroun. Non, il m'a. Non, tu sais, j'aime. On va t'enlever. C'est toi qui ne connais pas que le taximan connaît la valeur de ta montre là. On va t'enlever. On va te faire ça, tu vas confirmer. On va te piquer le couteau partout. Parce qu'on veut prendre ta montre. Cherche ta petite starlette. Toi aussi, tu salues les gens partout. Il t'a dit que ta famille, c'est parce que c'est les gens de ta tribu. Ta famille, c'est les gens qui comme moi, je suis ta famille. Je suis ton patron, mais je suis ta famille. Ah, tu vois les gens qui le partent, tu les salues, tu les salues. Ah. Vous voyez, il ne connaît même pas si tu vas manger le soir. Le voici. Hein? Il a été là, il a été donné les dos. Tu es tranquille. Ah, tu vois les gens partout, tu les salues. Personne ne peut m'acheter le jus de canne. Si tu aimes beaucoup, qui vient te faire la recette? Voilà. Ah, ta famille, c'est ceux-là qui connaissent que tu vas manger. Voilà. Mais oui, non, mon frère. Les gens sont là, ils embrouillent les gens. Oh, 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 non, j'aime le Cameroun. J'aime quand ils parlent là-bas. Je marche à pied. Dans un pays qui a l'insécurité. A commencer comment? Le mauvais cœur qui est ici, là. Le mauvais cœur du Cameroun, là. Même quand je pédale le vélo, je me masque. Ah, là, un mauvais gars peut sortir là. Il te voit tuer un beau vélo. Il vient de couille. Il passe sa route. Pas le quoi. On vous dit que la fonction publique au Cameroun, c'est les conneries ou quoi, c'est quoi. Et ils ont fait si bien qu'ils ont oublié même les rôles. Donc, on a oublié les rôles. Regardez au Cameroun, les gens qui condamnent les gens, les magistrats, ils sont à la vertu populaire. Est-ce qu'on les protège au Cameroun? Est-ce qu'on protège les magistrats au Cameroun? Ça dit vrai, on ne connaît même plus le rôle de chacun. Un juge, un magistrat qui condamne les gens, quelqu'un qui poursuit les gens. Merde. J'ai un grand là, je l'ai vu là, l'un de mes grands, un voisin du quartier. Un matin, je le vois à les 5 ans en train de courir. Il dit que mes grands, est-ce que tu es magistrat? Tu condamnes les gens à Bonanjo. On a causé. Je lui ai dit que voilà. Attendez, tu peux condamner quelqu'un parce qu'il a raison. Tu as raison, oui. C'est la justice qui condamne. Mais le gars pense que c'est toi qui l'as condamné, alors que c'est la loi qui l'a condamné. On a causé depuis le jour là, le grand ne marche plus à pied.
Il aimait tout aller faire le sport à 4h, 5h. Et comme un grand, tu es fou. Hein. Tu fais quoi ça là? Chez le blanc, dans d'autres pays, les magistrats sont souvent les peintres. Soit il est artiste, il est guitariste. Il a autre métier, il se dit très chez lui. La majorité que j'ai connue, d'ailleurs, c'est les peintres, il fait autre chose. Et pas les gens qu'on voit n'importe comment. La fonction publique ne donne pas la valeur même aux propres fonctionnaires. Voilà, depuis que Popol a pris le pouvoir, on n'a plus de valeur. Regardez les gens, on dit bien la gendarmerie. Donc là où il y a les armes, la police, là où il y a les armes, il y a la barrière. Il y a la barrière. Tu peux faire comment pour accéder dans un commissariat dans certains pays. Regardez la vie des gens. Hein? Tu peux faire comment pour accéder dans un commissariat dans un vrai pays. Hein? Alors, les gens oublient qu'on peut venir attaquer un commissariat même pour prendre les armes, même pour récupérer les documents. Regardez les mairies du Cameroun. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de barrière. Là, il y a l'acte de naissance des enfants. Il n'y a pas de barrière. Alors, c'est dangereux, c'est dommage dans notre pays, franchement. C'est dommage. C'est dommage. Un pays où le fonctionnaire est le plus riche. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand il n'y a pas de traçabilité, chacun se sert. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il n'y a pas de traçabilité, quand il n'y a pas d'ordre, l'ordre, le désordre prend le dessus. C'est tout. Mais dites-moi aussi, je ne sais pas où c'est Mark Zuckerberg. C'est comme si Mark Zuckerberg a supprimé les étoiles. Donc on va plus aider les gens alors. Mais c'est terrible. Hein? J'avais un peu les dos là-bas. Mais qu'est-ce qu'il peut faire comme ça là, non? Ça veut dire que comme il a supprimé les étoiles là-dedans, même mon ange est perdu. Hein? La publicité passait dans mes directs. Mais ou bien on a signalé, les gens ont signalé. Hein? On a supprimé les publicités dans mes directs, dans mes vidéos. Maintenant c'est les étoiles. Mais la reine galloise a fait comment, non? Alors ça l'aide beaucoup. Hein? Ça l'aide beaucoup. Terrible. Un pays où les valeurs, il n'y en a plus. Les valeurs ont foutu le camp. Tu te bats, tu fais n'importe comment, tu ne peux pas. Voilà, les gars sont obligés de voler. Les gars doivent voler. La voiture, chaque jour, est au garage. Voilà, tu achètes une voiture, ça se gâte, tu es obligé de commander la panne, la pièce dehors, loin dehors. Tu achètes une voiture, tu n'as pas le technicien. On ne recycle rien. Mon ami, on a encore trop de longs jours devant nous. Trop compliqué. Trop compliqué. Trop compliqué dans ce pays. Mais comment? Le chargement est rude. Hein? Ah, il y a des rues, non? C'est normal. Le pays, c'est là, on a encore les longs jours. Elle dit que vous venez vivre au Cameroun là. Non, non, non. Équipe-toi. Équipe-toi, équipe-toi. Équipe-toi même pour 10 ans. Voilà. Toi maintenant, alors réussir entre là-bas et ici, distant de ton business, c'est aussi facile. Il y a les rapaces de partout. Voilà, il y a les frères que tu ne verras dans ton business quand tu es là. Le jour que tu n'es plus là, il disparaît, il ne vient plus. Et si tu le confies ton business, c'est la chute. Voilà, tu donnes ton business à ta soeur, c'est la chute. Elle est bien, mais son gars est mauvais. Voilà. Tu donnes ton business à ton neveu. Il est bien, mais ses parents sont mauvais. Ils sont tes soeurs. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Les gars, faites votre vie dehors. On fait sa vie partout. On fait sa vie là, on se sent mieux. Voilà. Donc, ton pays ne t'a jamais offert 5000 euros de salaire. Au Cameroun, tu ne t'es rien. Alors on dirait que celui-là n'a même pas fréquenté. Mais dehors là, on t'a accepté avec. On a accepté tes muscles. Même comme tu es fait, tu travailles. Fais ta vie là-bas. Comme
ça. Make your life there. Tu parles sur ton lion, on va dire que non, allez travailler. Laissez les gens tranquilles, mon frère. Il y a pas les gens qui sont qui ont dit que, oh, à l'époque, moi-même, je ne comprenais pas les gens sur la toile. Mon ami, si tu as un autre moyen de pouvoir gérer les fins du mois, moi, le problème, si quelqu'un fait ses vidéos sur Facebook et que ça le rapporte, c'est parce que tu es incapable de faire comme lui. Si moi, j'avais su à l'époque que Facebook donnait l'argent, est-ce que je me suis engagé depuis? Mais oui. Mon ami, avec toutes les charges qu'on a là, les femmes, enfants, tu vas t'en sortir comment? Chacun veut un avenir meilleur pour ses enfants. Chacun veut bien voir ses enfants bien s'habiller. Chacun veut bien changer la garde-robe de sa femme, de soi-même. Mais si tu peux jongler, hein, si tu peux jongler et t'en sortir, où est le problème? C'est comment? Et moi, les gens disent que non, allez travailler. Allez travailler quoi? Mais YouTube, il y a les youtubeurs, c'est un métier, non? Et pas être youtubeur, c'est un métier. Ça va? Ok. Être youtubeur, c'est un métier. Si Jordan est encore là, on va lui donner deux beignets. Bonjour. Donc voilà. Elle est trop chargée la voiture ici. Hein. Et puis comme si c'est comme ça là, c'est bien, mais ça a son niveau. Hein. Quand tu charges ça assez, tu peux casser ta voiture. Bonjour. Voilà. La pluie qui s'est abattue aujourd'hui là, c'est la magie. Vous voyez Fongo Tongo. Les gens de Fongo Tongo, voilà ce que votre villa m'a fait. Fongo Tongo. Ah, mes lèvres qui sont fendues. Tu pars au deuil. Tout, tu bloques tout dans le ventre. Ouais, c'est pas. Ou bien il y a même l'hôtel là-bas. Oh. On te dit que c'est un arrondissement. Quelqu'un m'a dit que c'est que j'étais dans un autre village. Le Fongo Tongo. C'est comment un champion? On dit de venir très tôt. Tu viens à quelle heure? Il fallait venir à 5 heures. Je suis en direct. Hein? Je suis en direct. Donc voilà. Si c'est comment là? Ça va? Comment va la main? Bien. Ok. Ah, va donner les beignets aux enfants là. Il y a les beignets hein, que je vous ai gardés. Donc vous chargez un beignet, c'est bien gros là. Hein Jordan, ça va? Bonjour. Mandela est prête. Vous connaissez mes enfants? Il y a Mandela, il y a Bakbo. Voilà. La fille, elle s'appelle Mandela. Voilà, parce qu'elle est née quand Mandela venait de décéder. Mets ça à l'intérieur. On va le charger ça. Mets ça à l'intérieur. On vous charge un beignet. Moi, j'ai droit à deux beignets. Ok? Voilà. Raphaël, lui, là, un beignet. J'aime ça bien. Si vous venez au Cameroun, il y a les beignets là, c'est bien. Hein? Je vous invite à passer à Super U. Super U. Donc, voilà, voilà un pays comme le Cameroun. Vous voyez le grand frère Jean-Paul Akono. Le papa. C'est un papa même. Jean-Paul Akono, qui amène son soutien, qui apportait son soutien l'autre jour au footballeur Ngandé. Subitement, le voilà qui retire le soutien. Que non, ils ont bagarré, tout et tout. Mon frère, on parle du talent. On parle du talent du footballeur. On s'en fout. Mais ce qu'il y a dans ce pays, c'est même la même. Oui, on connaît, il faut être discipliné, on connaît. Mais Eri, hein, il faut être discipliné, on connaît, oui, mais.
A-t-il fait les caprices? Non. Il a fait les caprices avec l'équipe nationale? Non. On connaît, bon, il faut être en bon terme avec ses coéquipiers. Ça se comprend. Mais est-ce que nous devons aller jusqu'au niveau où il faut éliminer quelqu'un qui peut nous apporter une victoire? Parce que moi, l'Africain, hein, l'Africain fait toutes ces choses, surtout le Camerounais, le Bahat. D'ailleurs, tout le monde se comporte comme les fonctionnaires. Tu vas dans un bureau à 10h, tu vois un gars en train de manger. Il te dit, s'il vous plaît, je mange. Je mange, ce n'est même pas l'heure de manger. Ce n'est pas l'heure, ce n'est pas l'heure. Tout doit être programmé. Tu le trouves dans un bureau, mais en fait, on a tout négligé dans ce pays. Parfois, on en veut aux fonctionnaires, mais c'est ce qu'ils ont trouvé. C'est ce qu'eux-mêmes, ils ont trouvé. Parce que, comment on peut construire les bureaux, il n'y a pas de cantine? Comment il n'y a pas de cantine dans les bureaux, dans les édifices publics? Pourquoi il n'y a pas de cantine? Tu pars dans un bureau, tu vois un inspecteur des impôts, il est en train de manger dans le bureau. Le bureau de l'État, ce n'est pas ta part, mon frère. En fait, dis le contraire. Mon frère, ah, c'est compliqué. Franchement. Non, on a encore les longs jours devant nous. Les gens disent que non, regardez-moi celui-là, c'est un villageois. Le premier villageois camerounais, c'est la fonction publique. Ah oui. Tout est mal organisé. Tout est mal organisé dans ce pays. Voilà. Et quand tout est mal organisé, c'est les problèmes. Voilà le Camerounais. Le Camerounais n'est pas loyal, en fait. Le Camerounais est capable de t'aimer maintenant, si là. Il se jure à ton nom. Mais demain, là, moins d'erreurs. Juste parce que quelqu'un qui l'avait donné, moi, c'est 100 000, lui rappelle que, mais, comment tu me parles comme ça, là, alors qu'il t'avait donné 100 000 auparavant? Ça devient compliqué. C'est sûr que Jean-Paul Akon a reçu un coup de fil. Que, mais, toi, tu peux parler de cette histoire, tu connais quoi? Parce qu'ils ont bagarré. Mais, s'ils ont bagarré, mais pourquoi on n'a pas aussi mis Zambouangui ça de côté? Parce que ne faites pas les genres de sanctions sélectives. Voilà. Les genres de sanctions sélectives, là, ce n'est pas bien. Ça monte les gens. Ça monte les gens. Voilà. Les gens prennent ça autrement. Quand deux personnes ont commis une faute, soit on les sanctionne les deux, soit on prend de la hauteur. C'est-à-dire, on met le Cameroun devant. Voilà. On met le Cameroun devant. C'est un peu comme notre frère, si je vais faire une vidéo pour lui répondre. Danny Scorpio. Voilà. Donc, voilà. Donc, mais attendez, mais les deux ministres-là qu'ont invité à nous apporter. Vous savez, moi, j'ai tout dit dans la vie, non? C'est bien de critiquer les gens. C'est bien, mais. Nous sommes un pays où tout le monde est mouillé. Le ministre, c'est un dieu. Il n'y a pas beaucoup de ministres ici en prison. Qu'est-ce que les ministres viennent faire dans nos histoires, l'histoire de football, jusqu'à deux ministres? Non, il faut laisser ça, dit-on. Que même avec l'intervention des deux ministres, laissez ça, dit-on. Ça dépend aussi de ce que l'autre a dit à l'autre. Mais oui, peut-être il a touché à là où il ne fallait pas toucher. Il y a des gens sensibles, c'est clair. Et à un moment de la vie, quand on a gagné ce qu'on cherche dans sa vie, voilà, tu vois, on dit que la vidéo de la bagarre, Ngandé n'est même pas dedans. Vous voyez? Donc, il y a même la vidéo. Ngandé n'est même pas dedans. Il faut laisser ça dedans. Le Cameroun, on est capable de fabriquer les fausses histoires. Même l'histoire de 5000 euros, là, ne soyez pas surpris qu'un matin, on vous dise que c'était une fausse histoire. Mais oui. Mais oui. Non, franchement. Même l'histoire de 5000 euros, là, ne soyez pas surpris. Pourquoi? Au Cameroun, on est capable de fabriquer un grand monsieur. Que non, si tu framponnes en disant que j'ai donné 5000 euros à ce monsieur pendant 2 ans, non, ça va faire un débat. C'est des conneries. Moi, c'est des conneries. Le Cameroun est capable de tout. Le Cameroun est capable de tout. Voilà le frère Daouda. Il part dans un commissariat. Pour sa calamité, il se retrouve en prison. Et subitement, voilà sa femme qui est décédée. Donc c'est un pays compliqué, un pays compliqué. Mais comment alors quelqu'un qui est coupable, il a été libéré? Pourquoi? Alors, parce qu'on arrête les gens pour rien. Hein? Un simple petit sourire, un simple petit « je m'excuse monsieur, passez tel jour, regardez si votre carte d'identité va sortir ». Simple petite prorogation de son récépissé, arranger les problèmes. Voilà, il faut que quelqu'un meure.
faut que quelqu'un meure. Et même le policier là, tu vois aussi, voir qu'ils ont les problèmes. Comme actuellement là, quelqu'un m'a envoyé l'histoire d'un policier. Il est mort récemment, mais on était en train de mettre sa femme dehors, la famille de l'homme. Donc compliqué. Alors. Moi, je te dis, l'histoire de Barcelo là, c'est compliqué. Soit, il y avait un deal. Comment dit quelqu'un? Pourquoi tu donnes 5 000 euros? Comment quelqu'un qui critique l'homme que tu as dit à Mondovision, que c'est ton père et c'est lui qui t'a tout donné? Comment tu le donnes 5 000 euros? C'est pourquoi? Vassero soutient le camp que tu... Vassero critique à longueur de journée le camp que tu soutiens. Mais comment tu peux lui donner l'énergie? Bah, 5 000 euros, c'est beaucoup d'argent. C'était par quel billet? C'était en cash? C'était en transfert? C'était pas comment? Donc c'est très compliqué, notre pays. Je vous dis bien qu'on peut fabriquer une histoire pareille. Parce qu'au Cameroun, les gens ne se respectent pas. C'est un système qui réduit chacun dans la saleté. Voilà. Vous savez qu'on a la culture, c'est-à-dire qu'on a une culture individuelle. Nous ne sommes pas cultivés de manière qu'on est grand. Regardez-moi en Côte d'Ivoire, comment il y a une forme de liberté pour certaines personnes. Les gens sont libres. En Côte d'Ivoire, pour parler de démocratie, vraiment beau parler que Ouattara est comme ça. Mais les gens sont plus libres en Côte d'Ivoire qu'ici. Et les gens cèdent facilement au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire. Regardez la position d'un gars comme l'autre, d'un gars comme Drogba. Il est tranquille dans son coin. Mais oui. Ici, chacun est pressé. Chacun est pressé de vouloir dealer avec quelque chose qui a détruit toute une nation. Voilà. Alors, au lieu d'être patient, ceux qui rient aujourd'hui vont pleurer demain. Ceux qui ont pleuré aujourd'hui là vont rire demain. La vie, c'est comme ça. Donc, moi, je ne cours pas. Tant pis pour ceux qui veulent profiter aujourd'hui. Tant pis pour ceux qui veulent profiter aujourd'hui. On a vu ceux qui ont profité hier, aujourd'hui qui souffrent. On a vu ceux qui riaient hier, aujourd'hui qui souffrent. On a vu ceux qui souffraient hier, aujourd'hui qui rient. Qui profite de la vie. Donc ça veut dire, you have to be patient. Voilà. Have to be patient. C'est comme le frère aussi. Alors, un frère, il est combattant. Combattant, oui. Il peut faire une vidéo pour dire que l'autre, c'est un malhonnête. Alors qu'il est combattant. Je ne comprends pas à la fin ce qu'on veut. Je m'attendais toujours à ça. Parce que Danny Scorpio a souvent titillé Vassero dans ses vidéos. Il a toujours voulu faire penser aux gens, croire que oui, il est le producteur de Vassero. Mais tout le monde connaît, tu es le producteur de Vassero. Mais ce que tu as dit l'autre jour en parlant de la vidéo de Samuel Eto'o et Vassero, tant tu te dis combattant, ça ne doit pas venir de toi. Voilà, ça ne doit pas venir de toi. Tu dis que non, il y a les icônes qu'on ne critique pas. Mais Samuel Eto'o a fabriqué une bouchette d'allumettes. Ouais, non. Nous, on confond tout au Cameroun. Nous, on confond tout au Cameroun. Une icône du football, oui. Une icône du football, oui, Danny Scorpio. Il faut bien préciser. Une icône du football. Vassero lui-même, c'est une icône de la musique. C'est deux mondes différents. C'est parce qu'on a affamé les artistes camerounais. Dans les vrais pays, est-ce qu'un footballeur peut parler à un artiste? Dans un vrai pays, dans ce monde même, dans la vie réelle, est-ce qu'un footballeur peut parler à un artiste? Dans la vie réelle. Parlons peu, parlons vrai. Parlons peu, parlons vrai. C'est parce que le système a toujours mal orienté les choses pour que les choses se passent mal, pour que les artistes... Parce que quoi? L'artiste, surtout le musicien, artiste chanteur, c'est là le plus puissant du monde, de la parole. Parce qu'il te détruit avec sa parole. Et c'est ce qui est en Vassero. Il a l'art de communiquer. Ce n'est pas une affaire d'école. Et soyez sans compte lui. Il est dans son domaine. Il est dans sa peau. Il est dans sa chose. Puisqu'il a tout parlé. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il commence à parler. Subitement, on veut voir le frère sort, Danny Scorpio, faire une vidéo. Voilà. Dit que non, il faut respecter les aînés. Il faut respecter. Ok, toi aussi, arrête de critiquer Paul Biya chaque jour. Parce que tu critiques Paul Biya chaque jour. Parfois, on ne sait même pas à quoi vous jouez même. Il y a des gens ici sur la toile.
les gens que vous connaissez, qui m'ont fait des choses. Mais comme ils n'ont pas trahi, comme ils sont dans une démarche du changement, on partage les mêmes idéologies. Moi, je ne peux pas les attaquer. Alors qu'ils m'ont abusé, oh, j'ai les preuves. Ils sont sur la toile. Mais je ne les attaque pas. J'attends le moment venu, peut-être, quand il va trahir le combat. Vrai, vrai, que je vais me lever un jour et dire que bon, si on me pose une question sur lui, je dis que bon, voilà, vraiment, ça ne me surprend pas, voilà ce qu'il avait fait. Vasselon n'a pas trahi le combat. Il est tout dans sa démarche. C'est un provocateur, comme vous ne comprenez pas. Verso, c'est un homme politique. Il provoque. Quitte à toi de tomber dans son piège. Si tu réponds, c'est là où tu as commencé les problèmes. Les gens ne comprennent pas toujours. Vasero, c'est un provocateur politique. Pour moi, c'est ça. Il est fort dans la provocation politique. C'est un peu comme Anaconda, le type qui est là-bas en Côte d'Ivoire. Là. Il te provoque, il t'amène à dire ce que tu ne voulais pas dire. Il est dans son rôle. Il te provoque, surtout quand tu es dans le camp adverse. Il est dans son rôle. Pour ceux qui sont sages, ne répondez pas. Si tu réponds, c'est fini. Si tu réponds à Valsero, c'est fini. Et au contraire, tu lui donnes la force. Tu lui donnes la force. Voilà, voilà un pays comme ça là. Vous voyez, les gens ne sont plus loyaux. La loyauté a foutu le camp. Vous voyez un papa comme Jean-Paul Akono. Voilà, qui a apporté son soutien au frère Nganje. Subitement, il renonce à ce soutien. Voilà. Vous voyez, c'est un pays où les gens de valeur, les gens qui devaient être vraiment comme les icônes, vraies, les légendes, eux, ils se comportent comme les enfants. Voilà. Donc les gens ont perdu leur dignité. Tu te demandes pourquoi les gens se comportent comme ça. Mais les gars, si tu veux que ton petit frère te respecte, même tes propres enfants, gère bien ta vie. Quand tu regardes parfois, c'est à cause de tout ça. Il faut bien gérer ta vie pour que même à un certain âge, même quand tu vieillis, non, tu es capable de pouvoir assumer tes charges. Parce que quand tu n'arrives plus à gérer tes charges, à compléter tes charges tous les mois, tu te retrouves face à plusieurs dilemmes, à plusieurs difficultés dans la vie. Et tu vas voir que les gens vont te donner et ils vont te faire le chantage. Et le jour que tu te comportes mal ou bien le jour que tu es vrai, ils coupent les vifs. Bah, tu te demandes comment un papa comme ça peut venir parler d'une histoire de deux individus. Ils ont bagarré. L'histoire du Cameroun dedans, c'est quoi? Si on sent que c'est eux-là qui vont nous amener la victoire, mais on les met au stade. C'est clair. C'est clair. Qu'est-ce que ça y voit? Qu'est-ce que ça y voit? Si le problème n'affecte pas l'équipe, où est le problème? On peut avoir les problèmes. On peut avoir les idées divergentes. Mais lors d'un match, on s'entend. On s'entend. Qu'est-ce que tu as fait au pied? Enlève ta babouche. Enlève ta babouche. Enlève ta babouche. Ça va, ça ne tient pas quand tu travailles ça comme ça. Là. Il faut mettre les pieds au sol. Ou tu portes la chaussure fermée. Donc voilà un peu. Je pense que vraiment au Cameroun, on a encore trop à faire. Notre pays, on a encore trop à faire. On a encore trop à faire, franchement. Et ça, à revoir. Au fait, il faut que le système, là, il faut que le système, ça change. Pour qu'on sauve notre pays, il faut que le système change. Sinon, on a encore beaucoup de longs jours devant nous. Dans tous les sens, hein. Le système doit changer. Le titre foncier n'a plus de valeur. Voilà, tu achètes ton terrain, après 10 ans, on vient te faire quitter là-bas. Voilà, après 10 ans, on vient te faire quitter. Tu fais ta carte d'identité. Hein? Tu fais ta carte d'identité, ça fait 3 ans, ça ne sort pas. On dit que maintenant, les commissaires, quelqu'un fait la carte d'identité, il prend l'un des dossiers, il jette le dossier là-bas quelque part. Il s'en fiche. Allez vous battre ailleurs. Mais oui. Est-ce que la bagarre empêche que les gens gagnent? Hein? La bagarre n'empêche pas que les gens gagnent. La bagarre n'a jamais empêché que les gens gagnent. N'est pas Eto'o lui-même, n'est pas y bagarrer chaque temps. N'est pas chaque temps sur Facebook ici là.
C'était la bagarre avec Alexandre Song, tout ça. Est-ce que ça empêchait qu'il soit Samuel Eto'o? On n'a jamais empêché qu'il soit Samuel Eto'o. Donc voilà. Mais il faut que les gens revoient comment faire, comment se comporter. Voilà, parce que notre pays, ça ne va que de mal en pire. L'injustice, c'est flagrant. Et c'est pas normal. On t'a donné le gâteau là, bébé. On a mis le chocolat là. Tu vas manger ça, oh. Voilà mon cœur. Tu m'as fait bisous. On t'a donné combien? On t'a donné l'argent. On t'a pas donné l'argent. J'espère que j'ai la monnaie. Quitte, quitte avant. Dans notre pays, vraiment, j'ai peur, j'ai peur. C'est pourquoi, les gars, prenez votre temps. Prenez votre temps. Prenez votre temps, arrangez bien là-bas avant de rentrer, c'est tout. Voilà, arrangez bien là-bas avant de rentrer au Cameroun. Parce que rien n'est en ordre ici dans son pays, dans ce pays. Hein? Un pays comme ça, là, tu as même l'argent. Tu prends une bonne, tu mets chez toi. Un matin, elle disparaît. Hein? Alors que tu prends une bonne, tu mets chez toi, tu habilles, tu donnes tout ce qu'il faut. Parfois, tu prends la bonne avec ses propres enfants. Tu mets chez toi. Un matin, un gars qui n'a aucun sens, aucun avenir, vraiment, vraiment, il a dit qu'il m'aime. Il a dit qu'il va m'épouser. Mais, tu dis que non, ma chérie, va doucement, va doucement. Tu viens d'arriver ici à Douala. Non, 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 il a dit qu'il va m'épouser. Mais, après, un matin, tu la vois encore. Elle est unique, bizarre. Le mariage est même fini. Rien n'est normal dans ce pays. Franchement, ça refait. Tu t'inquiètes pour quelqu'un. Lui ne s'inquiète pas pour lui. Hein? Lui ne s'inquiète pas pour lui. Ton frère, ta soeur est malade. Tu lui donnes l'argent, il va à l'hôpital. Le bon monsieur, la bonne dame prend l'argent pour acheter le téléphone à son fils. Son fils qui a l'âge de ton enfant. Alors que ton enfant lui-même n'a pas le téléphone. Le pays, c'est compliqué, franchement. Le pays, c'est donc... Sur quoi tu vois, vous voyez souvent certaines personnes disent que non, c'est les Illuminati, c'est les francs-maçons. Ils voient les gens, ils passent. Ou un gars, il vit bien. Mais à côté de lui, les gens souffrent. Non, il a fait trop d'efforts. Tu entres au fond. Voilà. Et beaucoup de personnes meurent ici au Cameroun. Non, c'est pourquoi moi là. Je suis content. J'avais maman à Youpo là-bas, j'ai acheté le poisson frais. Oui, je mets ça ici dans la cour. On braise, on mange, on boit. Voilà. Ça fait depuis 3 ans quand je mange, je bois mon vin. Oui, un repas, c'est le vin. C'est comme ça. Ah, sinon, tu t'épuises pour rien, mon frère. Tu t'épuises pour rien. Les gens s'épuisent beaucoup dans ce pays. Les gens s'épuisent. Alors, quand tu as fait aux gens inconscients, c'est les problèmes. Ta vie même en danger. Ah oui, ta vie en danger. Le bien-être n'est pas seulement financier. Hein? Pas parce que tu as l'argent que tu vis bien, non. Non. Le bien-être d'abord, c'est soi-même. C'est sa moralité. Voilà. La capacité de comprendre et connaître fait la part des choses. Je travaille. Moi aussi, je dois me nourrir un moment. Personne ne doit venir te nourrir à ta place. Personne. Personne. Au Cameroun, quand tu commences à devenir millionnaire, tu t'amuses. C'est là où tous les problèmes de ta famille commencent. Même dans ton couple. Voilà. Tu peux avoir les dos dans ce pays. Mais même ta nga te néglige. Alors que pourquoi parfois tu manges là, il faut que peut-être ton beau frère venu à la maison et que le jour que toi, tu es là, que la manière qu'on sert ton beau et que la manière que la femme sert son petit frère, tu wanda, le sourire qu'elle a quand elle voit son petit frère, tu wanda, juste parce que tu as les dos. Alors que maintenant c'est la manière de jubiler l'argent que donc maintenant là, vous n'êtes plus une game.
Au lieu de profiter de ça, non, 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 non. Maintenant, elle est trop concentrée à sa famille. Trop concentrée à sa famille. Elle est un pays que tout est bizarre. Tout est bizarre. C'est mon expérience à moi. Hein. C'est mon expérience. Ouais. C'est mon expérience. Donc, être entrepreneur au Cameroun, c'est pas facile. Voilà. C'est trop de problèmes, trop de difficultés. Trop de choses en face. Parfois, c'est mieux d'être salarié. Parce que quand tu sais que tu es salarié, tu n'as pas de problème. Voilà. Un salarié, tu sais que tu travailles à la fin du mois, tu as ton an. Tu gères ton salaire. Mais être entrepreneur, chef d'entreprise. Parfois, tu ouvres une agence quelque part, tu donnes à ton gars. Jamais on ne vient te rendre compte. Jamais. Une place que peut-être ça donnait les dos tous les mois. Mais quand c'est elle qui récupère ça, non, 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 non. C'est comment là-bas? Tu insistes, ça finit par les problèmes. Tu n'as pas confiance en moi. Oh, 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 ça ne donne pas. Oh, ça ne donne jamais, mais on ne ferme pas. Et que les premières personnes à faire le coup d'état dans tes affaires au Cameroun, parfois, c'est ton compagnon. Si ce n'est pas parfois, c'est ta femme, souvent c'est ton mari. Donc tu ouvres une activité. Quand tu étais là, tu voyais l'argent. Maintenant, c'est ton gars. Tu ne vois plus les dos. Maintenant, c'est ton mari. Toi-même, tu ne vois plus l'argent. Voilà. Donc, c'est compliqué, ce pays. Les Camerounais, on doit refaire les Camerounais. On doit refaire les Camerounais. On doit travailler dans leur cerveau, là. Voilà. Et on doit les recycler. Voilà. Comment aimer le Cameroun avec les Camerounais. Voilà. Comment respecter une activité. Ah oui. C'est compliqué. Ok, Gaël Kamé. Où est la marche, hein? Voilà Mark Zuckerberg qui dit que il n'y a plus de monétisation. Quelqu'un va faire comment alors? Alors que comptez d'ailleurs sur ça. Je savais que, bon, sur Facebook, il y a des gens parfois, vous n'avez pas de lien. Et puis, il veut te faire un don, un cadeau, il t'envoie les étoiles. C'est compliqué, c'est comme la vie d'un activiste au Cameroun. C'est très compliqué, la vie d'un activiste. C'est très compliqué. Je connais des gens qui viennent au Cameroun. Tu causes avec quelqu'un pendant un an, 6 mois. Chaque jour, bonjour, Manga. Comment tu vas vraiment? J'aime ce que tu fais. Il est là, il suit toutes tes publications. Le bon monsieur vient au Cameroun, il fait 2 mois. C'est le jour qu'il part, qu'il t'appelle. Quelqu'un qui t'aime bien, quelqu'un qui t'envoie des cadeaux chaque temps. Mais il vient au Cameroun, il se cache. C'est compliqué, donc. C'est compliqué. Vous croyez que c'est l'argent seul suffit? Non, Manga, vraiment, j'aime ce que tu dénonces. Mais tu viens au Cameroun, tu te caches pourquoi? Jusqu'à te surprendre qu'à l'aéroport. Il te surprend à l'aéroport parce que moi, je venais chercher quelqu'un à l'aéroport. Il dit, mais c'est pas le gars que je cause souvent, lui, là, dans mon WhatsApp. Il commence à rire. Quand j'insiste le regard sur lui, il commence à rire. Mais il dit, vous avez peur de quoi? C'est vous qui faites les vidéos. Dites-moi, est-ce que c'est vous qui faites les vidéos? Moi, je n'aime pas certains chauffeurs. Moi, bientôt, la vraie, je vais commencer. Il y a des gens que vraiment, ça ne sert à rien que je vais me bloquer. Tu connais quelqu'un? Quelqu'un t'écrit chaque jour pendant un an. Il vient au Cameroun. Mais Elie, mais vous êtes des combattants dans l'ombre. Est-ce que venir quand on se voit en cause, ça va changer quoi? Donc tout le monde a peur. Donc vous encouragez les gens de parler, de dénoncer, hein? Vous accompagnez. Mais vous ne pouvez pas venir au Cameroun comme ça, là, venir aussi saluer quelqu'un. C'est pas gentil, hein? C'est pas gentil. C'est pas bien. Ça ne donne pas. C'est pas respectueux. Voilà. Ils sont nombreux là. Hein. C'est quand ils viennent au Cameroun chaque temps. Quelqu'un te met la pression. Banga, je rentre aujourd'hui. Banga, mais attendez, mais tu es venu, tu as fait un mois là. Tu m'as. Mais c'est quoi? Et ce qui me plaît, ce qui me plaît. Il me dit que vous êtes seulement naïfs. Certaines personnes sont naïfs. Hein? Tu m'as envoyé les cadeaux avant que tu n'arrives. Tu envoies tout. Tu arrives au Cameroun, tu as même donné les dons qu'on donne aux orphelins. Tout et tout. Mais subitement, tu rentres. C'est le jour que tu rentres que tu m'appelles. C'est pas gentil, hein. Franchement, c'est pas gentil. Moi, parfois, tu veux aussi rencontrer quelqu'un avec qui tu causes chaque temps. C'est bien. Ça fait beau à voir. Ça fait plus sympa. Ça honore. Parce que, au Cameroun, il y a des gens qui n'assument pas l'activiste. Qui n'assument pas. On a beaucoup d'amis, mais qui nous fuient aujourd'hui. Même vous, de la diaspora, que vous êtes compréhensif, vous faites aussi la même chose. Et c'est normal. C'est pas normal.
C'est pas normal. Et je dis merci comme ça là et courage à tous ceux qui viennent, qui me cherchent parfois. Voilà. Les gens ont peur. Vous avez peur, c'est vous qui faites la vidéo. Hein, c'est vous qui faites la vidéo. C'est pas vous qui faites la vidéo. Alors, c'est moi qui fais la vidéo. Ça te concerne à quoi? Voilà. Maintenant là, on peut bien vendre les cannes à sucre. La semaine va commencer demain. Voilà. Quand elle était trop beaucoup, hein. 50 paquets. Vous donnez un bien à... Apportez-nous les bains ici dehors, s'il vous plaît. Le général palestin, c'est comment, non? Je te vois connecté, là. Un Cameroun que tout est bizarre. Voilà la maman, voilà là où je louais mon bureau, là. Voilà la maison en train de vendre. On a même déjà vendu. Ouais, un pays comme ça, rien n'est stable. Parfois, tu vois quelqu'un, tu penses qu'apparemment, il s'en sort. Il a tous les problèmes du monde. Le pays, c'est terrible quand même. Hein? Voilà aussi mon frère, l'autre frère de Mbanga, là, Yowanda. Il avait ouvert un restaurant, ça marchait jusqu'à... Moi, en fait, on m'a dit que ça marchait. Trop de tapage médiatique. Maintenant, lui aussi, on me dit que maintenant, il a choisi les dos des gens. Bon, vraiment, le pays, c'est terrible. Ah, le pays, c'est compliqué quand même, franchement. Non, c'est pourquoi il peut vraiment voir, franchement. Bête à voir. Alors, le jour que je gêne, hein, je chope. Le jour que je n'ai pas, c'est tranquille. C'est tout. Je me bats, je paie mes ouvriers. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Et les gens s'entêtent, pourquoi? Parce que les gens veulent se faire voir. Je suis patron au Cameroun. C'est moi qui vends telle chose, c'est moi qui amène. Mais alors que tu ne t'en sors pas. Non, gars. Moi, il y a tout dit, hein. Ce sont les risques. Fais ta vie là où tu te trouves. Comme je vous dis chaque jour. Que chacun fasse sa vie là où il se trouve. On fait sa vie là où il y a sa femme et enfants. C'est clair. Ne viens pas parler de moi. J'ai ma femme ici et des enfants ici. J'ai fait ma vie ici. Et tu vois que ce n'est même pas facile. Mais voilà, depuis 4 heures, je suis dehors. 4 heures. 4 heures. Tout ça dans Djokmassi. Dans Djokmassi. Et c'est facile. Les routes te cassent la voiture. Tu as bien la volonté, tu as l'intention. Mais. Les pouvoirs publics n'ont pas. C'est pas les pouvoirs publics là, c'est l'État. C'est les infrastructures qui doivent t'aider à réussir. Les infrastructures nous aident à réussir. Voilà. Et la réussite là, 80%, c'est les infrastructures. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir la volonté, tu peux avoir le talent. Mais si tu es dans un pays où il n'y a pas de route, si tu es dans un pays où à tout temps on coupe la lumière, il n'y a pas d'électricité, ou la lenteur administrative, tu vas t'en sortir comment? Voilà un gars, il a la volonté de travailler. Il a la volonté de partir fouiller partout, les quatre, les coins de l'Europe partout, amener la marchandise, faire un conteneur. Lui-même là, il charge un conteneur en un mois. Le conteneur prend un mois pour arriver au Cameroun. Le conteneur arrive au Cameroun. Ça prend 2 mois pour sortir du port. Vous croyez que celui-là va réussir comment? Il va réussir comment? Il faut se rattraper. C'est l'argent que tu as prêté quelque part. C'est les intérêts qui montent. C'est la pression. Mais lavez ça à côté. Lavez ça à côté. Un homme d'affaires doit vivre là où il y a les infrastructures, où l'administration va vite. Parce que time is money. Je ne peux pas faire certains business, moi, je vous ai tout dit ça. Ça, parce que je ne peux pas faire certains business. Je connais beaucoup de business que j'ai envie de faire. Mais je me rends compte que ça demande trop de tracasseries. Ça a trop de tracasseries. L'administration. C'est pourquoi j'ai dit, les gars me disent, Mbanga, mais pourquoi tu t'es concentré plus dans la canne à sucre? Mais ça n'a pas trop... Ça n'a pas trop de mots de tête, gars. On n'a pas trop de mots de tête. Voilà. Il y a les produits que tu veux vendre au Cameroun.
On te dit que, voilà, l'autre jour, on s'est levé un matin sur notre sœur. Sur notre sœur, celle qui fait le piment, là. Mais c'est Mungwe, ou c'est Clarisse Mungwe, ou c'est qui, là. Celle qui fait les produits de Njansan, là. Regardez comment on se lève un matin. Une fille qui est là devant vous depuis les années, elle fait son business. On la regarde pas. Elle est tranquille. Mais un matin, comme on dit qu'elle vend, mais c'est les produits qui ne sont pas dans la norme. Subitement, un autre jour encore, on passe sortir que non, ces produits sont dans la norme. C'est comme ça qu'en voulant voir, on a déjà, elle a perdu beaucoup d'argent. Parce que quand c'est l'État qui se lève sur quelque chose, ça fait partie du sabotage, tout et tout. Les gens qui vont lui perdre confiance. Donc voilà un peu l'entrepreneuriat au Cameroun. Voilà, moi je continue à dire, toi, mes frères, que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et je connais. Tu veux imiter le gars, le Camerounais qui vit au Cameroun, qui fait ses affaires au Cameroun depuis les années. Il est dedans depuis les années, il connaît les rouages. Toi, là, on te donne une voiture de dédouaner, toi seul au port, tu deviens fou. Tu vas perdre même 50 kilos. Tu vas perdre 50 kilos. Mais tu vas voir un gars, mon frère, parce qu'il a commencé au bas niveau. Il connaît tous les rouages du Cameroun. La même voiture que tu te donnes à 2 millions, lui, te donne ça à 400 000. C'est son business. Ils ont noué les relations, comme la famille. Ils connaissent se soumettre. Toi, tu sors dans un autre monde où on ne se soumet pas, parce qu'on est honnête. Mais malgré que tu es honnête, là, on va te montrer que non, tu n'es pas honnête, que tu n'es pas dans les règles, que tu es en infraction. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Au Cameroun, un policier t'interpelle. C'est moi le fait que tu n'es pas sorti, toi, aller déposer les dossiers. Si lui-même vient vers toi, connais qu'il va te créer tout genre de motifs. Parce que les motifs ne manquent jamais. Donc, c'est pour dire que quoi, j'ai de la peine, j'ai beaucoup de la peine, voilà, à voir certaines personnes qui viennent s'engager. Voilà. J'ai beaucoup de la peine. Voilà, j'ai beaucoup de la peine. Ça fait, quand je vois les gens, j'ai beaucoup de la peine. Et pour moi, là, c'est le temps qui passe. Peut-être aujourd'hui, l'énergie que tu dépenses en venant au Cameroun, là, mets 60% de ça là où tu vis, tu vas voir ce que ça va te rapporter. Imagine, tu es en bain. Tu es au Cameroun, tu es en train d'acheter le terrain. Tu viens au Cameroun d'abord, tu achètes un terrain, 20 000 euros, tu abandonnes, tu pars. Ça fait 5 ans au sol, 10 ans au sol. Alors qu'avec les 20 000 euros là, facilement, tu pouvais te souscrire un appartement à crédit. Tu souscris un appartement à crédit. Tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Tu n'as plus de pression. Quand tu n'as plus de pression là-bas, c'est facile que ici, là, facilement, tu t'en sors. Mais quand tu as tout porté, ton espoir de 20 ans, 25 ans, 15 ans, pour venir mettre quelque part, c'est le problème. C'est le problème. Regardez une voiture comme ça, là, tous les 6 mois, il doit changer les amortisseurs. Tous les 6 mois. Il doit changer les amortisseurs. Eh, c'est normal. Tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il doit changer les amortisseurs. Ce n'est pas 5 francs. Ce n'est pas 5 francs. Eh, c'est normal. Eh, c'est normal. Les pick-ups, là. C'est les pick-ups qui viennent du... Que les gars nous vendent ça partout, là, Bonabéry. Hein? On te vend les choses. Parfois, tu n'as même pas de pièces. Tu as fait comment? Parfois, tu n'as pas de pièces. Tu ne comprends pas comment tu peux vivre dans un pays où il y a tout. Mais c'est l'enfer qui t'attire. Alors que toi, tu aimes la souffrance. Ah oui, tu aimes la souffrance. Comment tu peux vivre quelque part où tu as tout? Mais c'est ailleurs qui t'attire. Non, j'aime mon pays. J'aime mon pays. Même le travail de 5 ans ici, tu n'as jamais eu. Donc tu aimes une place qui ne t'a jamais donné le bonheur. Qui a même voulu que tu meurs. Regarde tes anciennes photos, à quoi tu ressembles. Tu es là crasse, on te remarque à peine. Mon ami. S'il faut jubiler, non, jubile là où tu as eu le bonheur dans ta vie. Chaque jour, sans avoir honte. Mais t'as dit que tu es un complexé. Tant pis. Moi, ça, dis donc. Nous sommes lundi, hein. Nous sommes lundi. Achetez les produits, achetez les produits. Achetez les produits. Le général Palestin, c'est comment, non? Voilà mon vice-président là, mon général palestin, mon frère qui est là, c'est mon frère de Manga, il vit en France. Il a amené un conteneur ici, ça fait 3 mois.
Donc il a fallu qu'il parte. Donc il a abandonné. Il est parti, s'est sorti. Avec les bagages des gens. Avec les bagages des gens. Alors, les bagages des gens. Et un client envoie son bagage. Le doyen dit que non, il faut que tu me donnes ça. C'est-à-dire que tu veux prendre le bagage de quelqu'un. Mon ami, il dit que toi qui as eu la chance d'être dehors, concentre-toi dehors. Arrange le dehors. Si tu peux aider un de tes frères, c'est une bonne chose. C'est la meilleure politique. C'est la meilleure des politiques. Arrêtez d'afficher. Quand un Camerounais meurt, arrêtez d'afficher le Camerounais qui est mort. Faites disparaître son passeport. Ça va aider un autre Camerounais. C'est comme ça qu'on doit vivre. C'est pas tout le monde qui doit fuir le Cameroun. Mais sache que les vrais Camerounais sont dehors. Ceux qui aiment le Cameroun sont que dehors. Ça ne manque même pas. Voilà. Aucun Camerounais ne peut se sacrifier ici-là. Il prend son salaire de 200 000. Il donne à sa sœur comme fonds de commerce. Ou bien à son frère. Jamais. Mais dans la diaspora, tu vas voir un gars qui sacrifie ses 1000 euros de salaire. Il squatche chez un ami. Parce qu'il veut aider un cousin, un frère de la famille à 650 000 de capital. Il peut le faire. Pourquoi? Parce que le voyage fait mûrir l'homme automatiquement. L'homme qui a voyagé est grand d'esprit. Voilà. Il sait se concentrer. Il sait résoudre un problème. Même quand beaucoup de personnes se font abuser. Mais au moins, on a la volonté. Toi, tu peux voir un gars au Cameroun sacrifier. Je connais des gens qui squatchent, qui mangent à peine parce qu'ils veulent prendre l'argent d'un mois pour aider un membre de sa famille, sa soeur, son frère. Je connais des gars dans la diaspora. La soeur a divorcé, elle souffre. Il est reconnaissant. Il prend sa soeur avec ses enfants. Il est logé quelque part, il paye l'école. Lui-même, tu le vois là en bengue, il souffre, il est crasseux. Quand on te dit que voilà un bengue, tu refuses. Donc voilà les vrais Camerounais. Les vrais Camerounais sont dehors. Et maintenant, pourquoi les vrais Camerounais ne finissent pas de parvenir les faux Camerounais, hein, pas finir tellement misérable. Il faut aussi les concentrer qu'il est bien d'aider les gens. Mais il faut penser à soi-même. Je ne dis pas aux gens de partir, non. Ma philosophie, c'est de, si tu es au Cameroun, il faut t'engager en politique. Mais toi qui es là dehors, là, avant de soutenir les gens, soutiens-toi toi-même d'abord. Ça, c'est ma philosophie. Soutiens-toi toi-même. On connaît des gens qui ont tout donné à leur famille. Je connais des gens qui ont tout donné. Tu vois un gars en Europe, en 10 ans, il a fait voyager 10 personnes. Mais aujourd'hui, il n'a pas de maison en Europe. Au Cameroun, il n'a pas de maison. On se moque de lui. Maintenant, ceux qu'il a fait venir en Europe, personne d'eux n'a fait comme lui. Tous, financièrement, vie sociétale, eux, ils s'en sortent. Qui t'a dit que parce que tu aides les gens, que les gens vont venir t'aider? Ça veut dire qu'en aidant les gens, pense à toi. Pense à toi. En aidant les gens, pense à toi. C'est tout. Ça, parce que tu as aidé les gens qu'on va t'aider. Non, fais attention. Au contraire, les bonnes personnes, c'est Dieu qui les récompense. Ça, c'est la logique de la vie. Les bonnes personnes, c'est Dieu qui les récompense. Jamais les hommes ne vont les récompenser. Jamais. Jamais. On s'en fout de toi. Depuis moi, j'ai compris ça. Je n'ai plus moi de problème dans ma vie. J'ai compris ça. Je n'ai plus de problème. À l'époque, je pouvais faire le miracle pour un membre de ma famille. Aujourd'hui, j'ai compris. Tu souffres, tu prives tes enfants certaines choses. Comme nos parents de l'époque. Tu aides tes neveux. Demain, la moindre petit détail, là, ils vont proposer. Non, tu m'avais parlé mal comme ça. Hey, toi, mon oncle, tu me parles mal. Tu parles mal à ma mère. Donc, parce que tu voulais que ta soeur soit meilleure. Parce que tu veux que ton frère soit meilleur. Hein? L'enfant se retourne contre toi. L'enfant, quand les parents étaient en difficulté, c'est toi qui as tout fait pour lui. Il se mêle. Jusqu'à, il ne te dit plus bonjour. Alors que tout ce qu'il est là, c'est à cause de toi. Vous voyez le monde, c'est comme ça. Donc, il faut arrêter ça. Ça, parce que tu te sacrifies pour les gens, qu'on va se sacrifier pour toi demain. Non, laisse. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Il y a des gens qui font pire, si bien que
Non, man, vraiment, je m'occupe de ma famille pour le moment. La maison peut attendre. Ah bon, hein? La maison peut attendre. On va jeter tes enfants dans la rue. Et même ton cadavre, tes enfants vont détester. Pourquoi? Parce que la naïveté, c'est un péché. La naïveté, c'est un péché. C'est le plus pire des erreurs du monde. Quand tu es un homme naïf. Donc, tu n'as pas conçu la maison. Tu envoies tes neveux à l'école. Vous allez voir certaines personnes. Vraiment, gars, tu sais que vraiment, j'ai passé mon temps à fréquenter. Vraiment, j'ai accouché tard. C'est que mes soeurs ont les grands enfants. Ils m'occupent d'abord de mes enfants. Mais fais des économies pour tes enfants. Fais des petites choses que tes enfants. Ça veut dire que tu as les petits enfants. Alors que tu es obligé de faire certaines choses que tu pouvais remettre à demain. Tu dois le faire maintenant. Parce que tu as les petits enfants. Ça veut dire que tu ne dois pas remettre à demain avoir un terrain. Construire une maison. Prendre une maison à crédit là où tu vis là-bas en bain. C'est comme ça. J'ai un grand frère là. C'est une très grande autorité dans ce pays. C'est un grand frère que j'ai connu en Malte. C'est un grand frère que j'ai connu en Malte. C'est un grand. C'est un grand. Si vous comprenez, c'est un grand. On cause beaucoup. Il me dit un jour que Mbanga, tu sais que j'ai eu les enfants très tard parce que j'ai fréquenté. Donc je ne blague pas mon argent. C'est un monsieur que pour te donner même une Guinness. Pour te donner même une grande Guinness. Si te dit qu'il va prendre là. On s'est vu un jour avec un ami. Il dit qu'il va payer, qu'on passe ses vies. L'ami a pris la grande Guinness. Il a dit que comme tu prends la grande Guinness, elle connaît que tu vas payer ce qui est au-dessus. Moi, je paye que la petite Guinness. Le grand là, non. Il a là conçu moi ses trois immeubles. Là, c'est un grand fonctionnaire. Et il fait dans un service où il voyage beaucoup, les frais de mission là, il voyage. Il voyage. Donc, le gars a rien sa vie. Je lui dis, mais pourquoi aussi tôt comme ça? Il me dit, gars, j'ai les petits-enfants. Ce n'est pas mon frère qui va venir. Hein? Parce que ça veut dire, j'ai les petits-enfants. C'est-à-dire, si la nature va normalement comme en Afrique, je risque de partir, ils sont encore petits. Donc ça veut dire que oh, je dois me rattraper automatiquement. Mais je me rends compte qu'au nom de la famille, il y a des gens qui renoncent à certaines choses. Au nom de ta famille, tu renonces à certaines choses. Ça veut dire que tu es fou. Tu ne connais pas quand la mort va te frapper. Et nous connaissons tous, entre l'homme et la femme qui meurt vite, c'est l'homme qui meurt toujours vite. Voilà. Et il y a les exceptions. Mais les exceptions sont très petites, sont très peu. La majorité des temps, ce sont les hommes qui meurent vite. Ce sont les hommes qui meurent vite. Ma mère veut, ça fait au moins 27 ans. Ça veut dire que 27 ans que mon père est mort. Imagine, ça fait 27 ans que mon père est mort. Donc tu vois un peu, donc c'est pour dire que quoi? Et il n'a pas construit, pas parce que l'argent le manquait. Il remettait à demain. Ma mère habite que chez mon grand-père, paternel en Bangala. Parce que quand je suis à l'époque, elle a dit que non, elle a dit que non, je ne peux pas construire une maison pour toi. Mon grand-père a dit que tu es la femme de la famille. Voilà, j'ai vu dans mon rêve, je ne peux pas construire. Il veut construire comment? Oui, on peut aménager, oui, mais pas construire une maison pour toi ailleurs. Comment? Quand le père est mort, c'est la maison qui nous a accueillis. Comment avait laissé la maison mon grand-père pour aller construire, pour aller te construire une maison? Faut être. Qui est dedans? Il n'y a personne dedans. Ma mère habite que chez mon grand-père paternel. Donc c'est pour dire que quand tu remets à demain là, que tu as les petits-enfants, il faut faire beaucoup attention. Voilà. Et j'ai eu l'expérience là, je suis venu au Cameroun, il y a cela 12 ans. Je suis venu au Cameroun une fois, il y a cela 12 ans. Je suis parti, j'ai acheté les boutiques en Dokoti. Quand on construisait encore le marché Munkam là, c'était moins cher. Il n'y a plus les boutiques là-bas. Ça m'a fait quelque chose. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent. Et quand je voyageais, j'avais déjà déménagé de Mbanga pour venir m'installer à Douala. Quand je me suis tourné à l'aéroport, j'ai vu mes petits-enfants comme ça là. J'ai dit oui, c'est bien beau, j'ai la maison en Mbanga. Mais Mbanga n'est pas Douala. Et c'est ceux-là qui vont vivre. J'ai pleuré quand j'entrais dans l'avion. J'ai pleuré. Ma première fois de voyager, quitter le Cameroun, c'est en 2012. Parce que je suis venu, j'ai fait une fausse affaire où j'ai perdu l'argent. C'est vers la fin que j'ai acheté un terrain
à la SAD. Il manquait un agent dans mon compte. Je me baladais là vers Bonanjo. J'ai vu la plaque SAD, Société d'aménagement de Douala. La fille, là, je l'aime là, celle qui m'a fait acheter là, ma conseillère, en fait, celle qui a géré mon dossier, elle s'appelle Akaya. Si vous partez à la SAD, elle s'appelle Akaya. Une fille très sympa comme ça. C'est comme ça que on est parti là à Bonamantumbe. C'est là où j'ai acheté le terrain. Mais en partant, tu ne pouvais pas reconstruire à l'époque. C'est pas aujourd'hui que bon, on a aménagé, c'est devenu grand. Les gens ont les belles maisons là-bas à Bonamantumbe. J'ai pleuré. Parce que j'ai laissé mes enfants en location. Et dans mon compte, il restait 500 000. Imagine, tu quittes le Cameroun. Tu as les petits-enfants, 4. Dans ton compte, il y a 500 000. C'est pas derrière que quand on liquide les boutiques là. Que pardon, je veux même pas parler. Je veux pas qu'on parle de ça. J'avais 2 boutiques, on a liquidé. Dans l'autre, j'ai mis un grand salon de coiffure. Dans l'autre, j'ai acheté les habits pour revendre. Tout ça, les faux trucs. J'ai perdu plus de 40 millions comme ça là. Plus de 40 millions, ouais. Plus de 40 millions. Quand je suis rentré, c'est là, je dis que non. Il y a des choses qu'il ne faut pas remettre à demain. Il ne faut pas remettre. Il y a des choses qu'il arrête de remettre à demain. Ta petite maison d'abord. Parce que nous sommes dans un pays, tout est instable. Il faut avoir sa petite maison. C'est très important. Toi qui as l'habitude de voyager. Toi qui as ta famille en diaspora. Il faut avoir ta petite maison. Tu te sens plus mieux, plus libre. Ça, c'est important. Parce que les gens disent que non, les gens meurent vite. On meurt vite parce qu'on se dépense aussi beaucoup, sans repos. Le repos n'est pas toujours physique. C'est la pression morale. C'est la pression morale qui tue les gens, qui fatigue les gens, qui rend les gens malades. Tu es au Cameroun en location. En Beng, tu es en location. Et regarde les charges que tu as, sans compter les enfants. Alors que là-bas, tu peux faire un dépôt. Une partie d'argent, tu commences à payer un peu. Au moins, tu sais que tout ce que tu fais là, tu es en train de payer quelque chose. Voilà ce qui me plaît. Là-bas, au moins, quand tu sais que je tourne, je suis en train de payer quelque chose. Au moins, tu sais que tu ne tournes pas dans zéro. Voilà. Mais quand tu sais que tu tournes là, tous les mois, tu as 300 euros à verser, 400 euros à verser pour ta maison que tu as pris. Tu vois que tu te dépenses au moins pour quelque chose, pour l'avenir de tes enfants. Et c'est un plus. C'est un plus. Qui t'a dit que. Qu'est-ce qui te prouve que le pays va changer? Qu'est-ce qui te prouve que le pays va changer? Non, quand ça va changer, qu'est-ce qui te prouve? Qu'est-ce qui te prouve que le terrain que tu as laissé là, tu vas venir trouver ça? S'il n'y a pas un fort qui va venir construire au-dessus, qu'est-ce qui te prouve? Donc c'est mieux d'avoir une bonne garantie, même si elle est peu, que d'avoir une garantie incertaine, même si elle est grosse. Ça ne sert à rien. C'est la connerie. J'étais quelque part à 14 là-bas, hier, pour voir un ami. Mais j'arrive que le mur de l'université a cassé sa maison en deux. Est-ce que c'est normal? Il est de la diaspora, il vit en Angleterre. Est-ce que c'est normal? Il avait un grand terrain, presque de 1000 mètres carrés. Il a construit une grande maison. Devant, c'était sa maison. Derrière, c'était la cité universitaire. Le mur de la barrière est venu fendre. S'il vous plaît, il a le titre foncier. Et ce gars n'a pas la maison en Angleterre. Actuellement, son mariage est en train de danser comme ça. Là. Parce que sa femme lui dit que je t'avais dit. C'est bien beau, ça apportait de l'argent. Mais voilà ça, c'est incertain. Donc, construis d'abord là où tu as un avenir sûr. Voilà. Pourquoi? Parce que notre vie. Ouais, Lama Sylvain, ça dit quoi? Notre vie est comme dans l'entrepreneuriat. Ta vie que tu vis en Bengla, que tu refuses d'investir en Beng pour venir investir au Cameroun, c'est comme l'entrepreneuriat. Tu vas voir un entrepreneur, il a 5 business. Il a 5 business. Mais il te fait voir ce qui ne marche pas. Son business même qui marche, il ne te montre ça jamais. Donc c'est pour dire que quoi? Pour que tu t'en sortes, qu'est-ce qu'il fait souvent l'entrepreneur là? Il part dans le business qui marche, ok? Pour entretenir le business qui ne marche pas. Ça veut dire que quoi mon frère, ma soeur?
Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu investis en bien, tu as ta maison là-bas. Au moins, tu as une assurance que oui, I have my house there. Tu as la garantie que tu as ta maison là-bas. Ça va demeurer et rester pour toi. Certains petits vont venir dire là que non, il y a les charges. Oui, partout, il y a les charges. La charge, c'est en fonction de la grandeur de la maison. C'est normal. L'assurance de ma MLC là n'est pas la même, n'a pas le même prix avec l'assurance de ma petite voiture ici. C'est tout à fait normal. La vie, c'est selon les moyens. Tant pis pour ceux qui partent accrocher l'habit là, ils ne peuvent pas décrocher. Tant pis pour ceux qui ne peuvent pas décrocher l'habit là où ils partent accrocher. Tant pis pour eux. J'ai acheté ma voiture ici parce que je peux l'assurer. L'assurance de ça n'est pas 5 francs. Donc, si tu peux acheter une grosse maison, en fonction du prix d'achat, tu vas aussi déclarer les impôts, pareil. Il faut entretenir la maison que tu as achetée. Il faut entretenir l'appartement. Il faut payer l'impôt. Il faut payer la taxe foncière. Il y a aussi la taxe foncière au Cameroun. C'est partout. Et c'est même une bonne chose si ça arrive au Cameroun. C'est pour dire que quoi? Quand tu as dans la maison là-bas, là où tu es, là-bas, de l'autre côté, là-bas, c'est facile que quand tu viens au Cameroun, ton cœur ne bat plus. Ça t'évite la palpitation. Pourquoi? Parce que tu sais au moins que là où j'ai mes enfants, je les ai assurés. Ils sont déjà assurés. Ouais, mon frère. Non, ça va pas, la grâce de Dieu, là-bas. Et tu es parti? On t'a donné bien. Donne un bien à Raphaël, non? Liliane. Mais oui. Ça veut dire que quand tu as déjà ta maison, regardez un peu, vous voyez pourquoi. Vous voyez, quand on vous dit que c'est très important. Imaginez notre frère Ngande, s'il n'était pas en clope dans la diaspora, ce qu'il va faire comment? Voilà sa vie qui est gâtée, non? L'aigreur de l'homme camerounais. Voilà un gars. C'est à cause de lui que Toko Ekambi nous a qualifiés. Mais le voilà, on met au banc. Imagine qu'il n'était plus en clope. Ça veut dire qu'il n'a plus exercé. Il perd l'argent financièrement. Lui-même, sa vie professionnelle est presque détruite. Mais oui, sa vie professionnelle est presque détruite. Je parle de Mikael Ngande. Mais comme il joue quelque part, il s'en fout. C'est ça le Cameroun. À toute heure, quelqu'un peut signer un document quelque part qui a tenu. À toute heure, quelqu'un peut aller voir son frère. Il dit que bon, mon frère, comme tu vois là, voilà un business. Il y a un 5000 mètres carrés quelque part là-bas. Dans les 5000 mètres carrés, il y a 2500 qui sont titrés. Bon, je veux que tu annules le titre foncier là. Le ministre annule ça, Yaoundé l'annule. C'est le business. C'est clair. Après, ça devient pour quelqu'un d'autre. Oui, après, ça devient pour quelqu'un d'autre. Donc, on voit un peu. Donc, c'est pour dire que c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Il faut être malin, les gars. Je sais, hein, chacun a la nostalgie du pays, mais avoir la nostalgie de quelque part qui va nous causer le malheur, vraiment, ça fait problème. Quand vous voyez souvent les tokos, voilà Toko Ekambi qui a été sonné par un terrain 70 millions. Il a fallu qu'il parte voir son père du village, le ministre de la Justice, pour qu'il se lève, pour qu'on lui rembourse son argent. C'était la mort. Et on te dit qu'avec la complicité du ministre, le ministre tutelle des terrains là. Ouais un peu là, la fémania a atteint un autre niveau dans notre pays. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, les gars. Ouais, c'est compliqué. Moi, je conseille, les gars, c'est mieux d'abord de faire ta petite vidéo. Tu as arrangé bien, tu as assuré. Maintenant, tu regardes, qu'est-ce que je vais venir faire au Cameroun? Un pied dedans, un pied dehors. Ça ne te dépasse, tu fuis, toi, tu pars. Voilà. Voilà notre frère qui a voulu persister du côté de Souza là-bas. Il a été volé 8 fois. Donc, ceux qui te volent 8 fois sont capables de te tuer. Ils sont capables de t'éliminer. Ils sont capables de te tuer. Ça veut dire que va dire, tu ne peux rien nous faire. On vole quelqu'un 8 fois. Pour finir, on n'a que détoler. On n'a que détoler sa ferme. On détole sa ferme 8 fois. Il se plaint, rien n'arrive.
on ne résout aucun problème dans un petit village. Donc c'est pour dire que quoi, mes frères et sœurs, c'est bien. Je sais qu'il y a l'argent au Cameroun, il y a l'argent, mais aussi le danger qui court à côté. Il y a l'argent, mais il y a beaucoup de dangers. Il y a l'argent, mais il y a beaucoup de dangers. Voilà. Il y a beaucoup de pratiques. Et que toi, un gars de la diaspora, tu n'es plus habitué à faire. Voilà. Il y a beaucoup de pratiques. Que toi, tu n'es plus habitué à faire. Tu es habitué à vivre dans la logique, dans le respect, dans la légalité. Voilà. Donc c'est ça le point. Ici au Cameroun, quand tu construis ta maison, c'est l'électricien qui te dit que, patron, on peut voler le courant. Tant que tu es en train de construire, donc on va mettre un fil qui va porter la lumière à partir du compteur dans la nuit. On branche en direct. Dans la journée, on déconnecte. Tu acceptes, c'est bien beau, mais c'est le chantage. Moi, on m'avait proposé ça. À l'époque, on m'avait proposé ça. J'ai refusé. Voilà ça. Ça veut dire que ici, comme ça, là, on casse le mur. On casse le mur. On fait passer le courant. On va faire passer le courant directement dans le mur. Ça vient comme ça, là, ça entre, ça part directement. Mais demain, c'est les mêmes gens qui vont te monter le coup. On va t'envoyer le nier chez toi. Mais oui, on va t'envoyer le nier chez toi. Voilà. En fait, on parle souvent de ça. Il y a des simples exemples. Voici un frère de la diaspora. Voilà un frère de la diaspora. Il est commissaire en France. C'est un jeune gars qui est parti en France. Il avait peut-être 8 ans. Il est commissaire en France. Regardez. On a commencé la maison aussi. Devant moi ici, là, quand j'entrais chez moi, on a commencé. Donc c'est une maison qui a presque peut-être 8 ans déjà. Pas qu'il a manqué l'argent. On l'a abusé. Il te dit que c'est le crédit qu'il a pris 15 ans. 15 ans de crédit. Voilà ça, ce n'est pas encore fini. Alors que voilà un gars qui a réduit son rythme de vie. Voilà un gars qui a réduit son rythme de vie. Parce qu'il veut investir au Cameroun. Tout ça sur la pression de la famille. Mais le voir qui investit, ça ne le rapporte encore rien. Ce n'est même pas encore fini. Et c'est ce que vous voulez. Et quand on vous conseille. Mon ami, il est commissaire en France. Qu'est-ce que le Cameroun va l'apporter, mon frère? Arrêtez-nous ça. Il est commissaire en France. C'est un commissaire français. Et c'est comment? Omar, où mon Andier? Andier où? Combien? Regardez vous-même. Voilà un gars qui est commissaire en France. Regardez. Ça ne te donne rien, ça te bloque. Ça te bloque d'abord. Ça veut dire que depuis 8 ans là, s'il avait fait un down payment, donc s'il avait fait un dépôt pour prendre sa maison à crédit en France, c'est que c'est déjà fini. Jusqu'à il est tranquille. On cause souvent, c'est ce qu'il me dit. Et voilà même les portails que tu fais, la roue prend. Donc ça veut dire que quand tu as fini même la maison, il y a encore l'entretien. C'est plein d'immeubles, c'est beaucoup. Et il y a les immeubles que tu vois un gars qui a commencé après, l'eau a endommagé la dalle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire. La maison n'est pas faite pour construire et abandonner, non. Quand tu abandonnes une maison, ça se fatigue, ça s'épuise. Le temps d'entrer dans tes dépenses. Il faut directement... Les gens veulent absolument faire comme les chefs des entreprises, des sociétés. La société a l'argent. Et parfois, derrière les sociétés, il y a la banque. Et la banque utilise que notre argent pour faire son crédit avec, pour faire son business. La banque elle-même n'a pas l'argent. Est-ce que la banque elle-même a l'argent? Donc,
c'est le matu vu et que les gens vont dire que quoi? C'est parce que tu veux, c'est parce que tu veux venir te faire voir. Voilà. Et que les gens vont dire que quoi? Il n'a même pas la maison au Cameroun. Et puis quoi? Si tu as la maison en France, là où tu vis, si tu as la maison en Allemagne, mais c'est pas ta maison. C'est là-bas que tu vis. C'est là-bas que tu vis. Peut-être tes moyens ne te permettent pas d'avoir là-bas et ici. C'est ça qui tue les gens. Les gens veulent céder à la tentation. Non, regardez-moi, il parle fort. Est-ce qu'il a la maison au Cameroun? Mon ami, tu ne vis pas là-bas. Voilà. Tes parents sont là-bas. Tous tes mounas là que tu fais là, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Les ceux qui ont tenté d'envoyer toutes leurs familles en Europe, ils voient aujourd'hui, non? Je vois aujourd'hui comment les gens sont en train de vendre les maisons. C'est un échec. Tu as échoué. Parce que vous allez voir un père, parce qu'il a l'argent, il a envoyé tous ses enfants dehors. Non. Tu as laissé même deux ici, là, tu envoies trois dehors. Voilà. Tu laisses deux ici, tu envoies trois dehors. C'est une bonne chose. Parce qu'envoyer tous les enfants dehors, c'est toi qui as tous les immeubles du Cameroun. Mais c'est l'échec. Ils vont venir faire quoi dans la poussière? Oui, tu as l'immeuble, mais c'est dans la poussière. C'est ça le problème. Non, c'est compliqué. C'est compliqué, la famille. Moi, j'aime le Cameroun, mais j'ai dit la vérité à mes frères. Que voilà, si tu viens, voilà ce que tu vas rencontrer. Voilà, voilà, voilà. Puisqu'il n'y a rien de beau, le temps que tu es en train de perdre là-bas, 15 ans, 20 ans, mais comment tu n'as pas de maison en Europe? 15 ans, 20 ans, 25 ans. Tu es salarié depuis 20 ans, 25 ans, 15 ans. Comment tu n'as pas souscrit un crédit pour prendre une maison? Là, c'est la question qu'il faut se poser. Mais c'est ailleurs que tu vois, loin, 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 loin. C'est ailleurs, non? Il faut laisser ça. C'est un mauvais plan. C'est un mauvais plan. Voilà. Celui qui t'a orienté, t'a mal orienté. Voilà. Tu dois, parce que même la maison que tu es en train de construire là, pendant le temps que tu es en train de vivre dehors là, tu ne profiteras du chemin de la maison là. Parce que tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Ah, Jamil Latou, Kingi. Écris-moi encore, écris-moi encore. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais t'écrire. Sur quel numéro? Le 683-40-97-55. Non, 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 c'est facile. C'est facile. C'est facile, Serge. C'est très facile. C'est que les gens courent derrière deux lèvres à la fois. Non. On ne peut pas réussir dans deux terrains. Tu ne peux pas. Soit tu vas perdre ailleurs, ou bien soit tu vas perdre les deux côtés. C'est les chanceux qui réussissent partout. C'est les chanceux qui réussissent partout. Ah, tu comprends? Voilà. C'est les chanceux qui réussissent partout. C'est parce que les gens veulent se taper la poitrine. J'ai aussi la maison. Oui, je prends un exemple. Voilà ma maison en Banga, ça me donne quoi? J'ai la maison en Banga, oui. Ça me donne quoi? Non, vraiment, ça me donne quoi? On investit d'abord là où ça a un atout pour nous. C'est avantageux pour nous. J'ai conçu à l'époque en Banga, oui. Ça me donnait quelque chose parce que j'habitais là-bas. Je suis quitté, j'ai mis en location. Oui. Mais ça me donne quoi aujourd'hui? Si c'était l'auberge que j'avais conçu en Banga à l'époque, c'est que je suis un loup. Si j'avais conçu ce qu'à Douala, c'est que je suis un loup. C'est la même chose. Toi, tu vis en Beng. Tu vis en Beng. Comment c'est ailleurs qui t'intéresse? Comment c'est ailleurs qui t'intéresse? Et dans tout ça, tu es en location. C'est trop de pression dans toi que tu te mets. Parce que tu es encore jeune, tu ne connais pas. C'est quand tu vas atteindre 40 ans, 45 ans, tu vas commencer à t'en vouloir. Vous savez, 40 ans, 45 ans. De 40 ans à 50 ans, c'est l'âge de regret. Ceux qui ont commis les erreurs. C'est depuis que j'ai eu 40 ans que j'ai compris que l'argent que j'ai dépensé dans les boîtes de nuit, l'argent n'est pas facile. C'est là où l'homme devient sorcier. J'appelle ça le moment de la sorcellerie, chaque être humain. Vous allez même voir les divorces. Les divorces, c'est de 40 ans. Si tu ne divorces pas avec ta femme, de 40 ans jusqu'à 50 ans, tu ne dois plus divorcer. C'est l'âge des regrets. L'homme veut se rattraper. L'homme a peur. L'homme voit 50 ans, c'est devant lui. Quand tu as 40 ans, tu ne veux plus tomber dans la même bêtise.
Voilà. Mais quand tu as 25 ans, 30 ans, ah, tu t'en fous. 40 ans, tu dis, ah, je suis jeune. Je suis jeune. Mais tu as la force, non? Tu as la force de perdre, remplacer. Tu as la force de jeter, remplacer. Tu as la force de donner à quelqu'un, s'offrir l'autre, tu achètes l'autre. Mais quand tu auras 40 ans, ta femme qui était la plus belle du monde, tu la regardes, ça dit que, mais celle-ci-là même, elle m'a trop fait, j'ai fuck up à cause d'elle. Tu commences à la regarder, tu ne vois plus la beauté de ta femme. Tu veux maintenant une partenaire. Tu ne connais plus la beauté. Regardez bien, vous allez voir certains hommes, ils se vantaient, ils étaient très beaux garçons. Mais vous allez voir, le jour qu'on vous dit qu'il est marié, 40 ans, il a atteint 40 ans, 45 ans. Ce n'est pas le genre de sa femme. Ce n'est plus le genre de son choix que vous l'avez connu avec. Parce que là, maintenant, il veut se rattraper, il a peur de son âge. L'homme a peur d'avoir 50 ans et ne pas avoir atteint ses fins. Ou bien après, il a peur de ne pas avoir réalisé même les 80%. Il commence à avoir peur. C'est là qu'il y a beaucoup de divorces. Vous allez voir, allez même au tribunal, vous allez voir. Les demandes de divorce, c'est à partir de 40 ans. Les femmes qui en veulent leur mari, je t'avais dit, tu n'as pas compris. Non, mais bêta, je pars, elle pose, on ne s'arrête pas. Mon frère, si tu veux aider un vieux, tu veux prendre ta retraite au Cameroun, c'est une bonne chose. Mais il faut d'abord assurer là où tu es. Comment je te parle la vérité, ce qui va te faire mal, ça te regarde. Si tu dis que je ne décourage personne. Je dis bien, avant de rentrer au Cameroun, assure-toi que là où tes enfants sont, ils sont en sécurité. Il est normal que tu as fait 20 ans, 30 ans dans un pays. Tu n'as même pas un studio là-bas, mon frère. Donc, ça veut dire que tu rentres, tes enfants sont aussi en location, mais c'est pas gentil quand même. Il faut avoir une maison de famille. Quand tu vas disloquer ta famille, quand ta famille sera dispersée, tu vas dire que la malchance, mais c'est parce que tu n'as pas mis sur pied une fondation, un repère. La maison familiale est comme un repère. Si ton fils que tu as fait en France, avec ta fille, tu as 3 enfants en France, tu as 2 enfants en France, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, à Jakarta, je vous dis bien que aller en Asie, hein, Philippines, Indonésie, les Camerounais, les maisons là-bas, c'est la magie seulement. Pourquoi? Parce que la maison familiale est comme un repère. La maison familiale est comme un repère. Quand tu n'as pas une maison de repère, tu vas faire comment? Parce que là où quand tu remontes dans ton ancien pays d'adoption, quand tu pars, tu dis à tes enfants que papa est là, venez me voir. Vous pouvez faire une réunion familiale là-bas. Même pour le respect de la famille, même pour le respect pour toi-même. C'est ça qui montre un jour que tu as fait 30 ans, 20 ans quelque part. Tu ne dois pas aller vouloir faire la réunion familiale. Tu pars là où tes enfants sont en location. C'est quoi ça? Comment? Tu as travaillé quelque part, tu avais 2000 euros, 2500 euros, 3000 euros, 4000. Tu n'as pas de maison là-bas. C'est-à-dire que la seule chose que tu as laissée là-bas, ce n'est que tes enfants. Non, c'est pas bien. Et ils seront aussi en location comme toi. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Ils vont se disperser. Ça nous échappe. La famille va nous échapper. Ils vont disparaître un moment. Pourquoi l'enfant même que tu as fait avec ta femme blanche, demain il va partir épouser une autre, une blanche, ils vont disparaître. Ils vont suivre le côté où il y a une fondation et où il y a une base. Il y a une base. Mais alors que si tu as fait tes enfants dans une maison, ils ont grandi dans une maison familiale, même quand tu rentres au Cameroun, de temps en temps ils vont passer, même s'ils sont en location. De temps en temps, ils vont passer. Et même un petit-fils peut hériter la maison. C'est la base là-bas. Les photos vont rester. Les photos vont à notre grand-père. Notre grand-père était un Africain. Il est rentré en Afrique telle année. C'est ça qui montre que oui, tu étais là-bas. Tu n'as pas fait 20 ans, 30 ans dans un pays, tu n'as pas de maison. Mais ça, tu n'es pas un vrai aventurier. On dit, comme dit un adage, pour réussir là où tu vas, fais semblant d'ignorer là où tu viens. Pour réussir là où tu es là. Là où tu vas là. Oublie là où tu viens. Fais semblant. On n'oublie pas. Mais on fait semblant d'oublier. Pourquoi? Pour avoir la force. Ça veut dire que tu ne peux plus rentrer derrière. C'est une métaphore.
Moi, quand je vais quelque part, j'oublie. Je connais des gens. Je connais des gens. Depuis qu'ils ont eu le succès une fois, ils n'ont plus jamais rien eu dans leur vie. Ils ont chuté. Jusqu'ils sont même morts. Pourquoi? Parce qu'ils passent son temps à parler de son passé. Quand j'étais, quand j'avais telle marque de voiture, quand j'avais la maison, il a vendu, la voiture, il a vendu. Aujourd'hui, les piétons. Moins de heures, quand j'étais, non, celui-là ne peut plus jamais se relever. Il ne peut plus. Mon ami, je vends mes cannes à sucre pour ne pas mourir de famine. Je vends mes cannes à sucre pour ne pas vendre ma maison. Je vends mes cannes à sucre pour ne pas dépendre des locataires. Je vends mes cannes à sucre. Donc, je passe à autre chose. Tant que je vis, il y aura tout beaucoup d'obstacles. C'est ça la vie. Tant que tu vis, tu feras face aux obstacles de temps en temps, avec ou sans argent. Parce que quand tu n'as pas l'argent, tu as les problèmes d'un homme qui n'a pas l'argent. Le jour que tu as l'argent, tu as les problèmes plus pires, parfois au-dessus de l'argent, alors que tu as l'argent. Donc tu vois un peu. Donc ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu n'as pas de problème. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu n'as pas de problème. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais Dieu les a donné les enfants malades. Il faut gérer ça. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Le petit palu tue l'enfant à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont négligents. L'argent n'est pas l'hôpital. Hein? L'argent n'est pas l'hôpital. Oh. L'argent n'est pas le take care. Oh. C'est toi qui dois take care yourself. Take care yourself. Tu as l'argent, c'est en banque, oui. C'est à la maison. Mais il faut connaître l'utiliser. Tu l'utilises mal. Tant pis pour toi. Comme tu meurs. Donc, il faut apprendre à faire la part des choses. Nous devons apprendre à faire la part des choses. Voilà. Il faut soutenir, hein, il faut soutenir. Soutenez la diaspora de Mbanga. Voilà. Soutenez. Moi, j'ai dit qu'il faut, il faut que vous vous souteniez. Chez le blanc comme ça, là, vous devez, chacun devait dire que, bon, Mbanga, ton moment money, c'est quoi? On a te donné le cours de coaching, développement personnel. Vous ne réagissez même pas. Hein? Voilà, Orange Money, 6-96-94-32-42. Momo Money, c'est le 6-83-40-97-55. Mon WhatsApp, c'est le +62-812-125-244-88. Voilà mon... C'est clair, mon frère. Et on pense que là, ça suffit. Non, là, ça ne suffit pas. Nous devons passer à autre chose. Donc, il faut soutenir. Pour celui qui veut m'envoyer les étoiles, envoyez-moi ça par Orange Money, envoyez-moi ça par MTN Money. Et si tu veux envoyer par Western Union, ou bien par MoneyGram, tu me contactes sur mon numéro WhatsApp qui est là, qui est épinglé, au +62 812 125 244 98. Voilà. Tout c'est la détermination. Concentre-toi. Tu fais un truc là où tu es et puis tu penses à l'Afrique après. Voilà, c'est clair. Parce que si tu vivais en Afrique, c'est que tu n'as jamais travaillé. Voilà. Et puis, c'est une forme de reconnaissance envers ton pays d'adoption, d'avoir même une maison là-bas. Voilà, vous voyez un peu, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut le faire. Il faut le faire, mon frère. Ok? Pour ne pas aussi faire voir disparaître ta famille. Parce que le manque de maison familiale, la base fait à ce que parfois, chacun se lève, chacun se cherche. Chacun se cherche, chacun. À l'époque, si mon grand-père n'avait pas conçu en Banga, c'est que quand mon père est mort, peut-être on rentrait en Muyuka, chez ma mère. Voilà. Parce que ma mère est née en Muyuka, là-bas, à côté du PH. C'est là où ma mère est née. Soit on devait se trouver ailleurs. Et quand mon père est mort, c'était aussi la débandade. Hein. C'était aussi la débandade. Donc la maison est très importante, où que tu te trouves. Et partout, on peut faire sa vie. Arrêtez les histoires de villageoisie là. Que non, je vais épouser qu'une Camerounaise. Allez au tribunal, voir combien. Allez dans les cimetières, voir combien de Camerounaises ont tué leur propre mari. Ou bien allez dans les cimetières, voir les hommes qui, les femmes qui sont mortes à cause de leur mari. On fait sa vie avec celle, avec celui qu'on se sent bien, on se sent mieux. C'est comme ça. Voilà.
On fait sa vie avec celui-là, avec celle qui nous aime. On ne fait pas sa vie avec un choix de tribu, avec un choix de nationalité. C'est des conneries. Que non, je vais épouser ma soeur camerounaise. Et puis quoi? Et puis quoi? Ton propre pays ne t'a pas donné le travail. C'est ta soeur camerounaise qui va te donner quoi? Tu es camerounais, non? La carte d'identité, tu as. Qui fait la carte d'identité là? C'est les Camerounais qui sont là, Yaoundé. Ils sont là. Voilà, les bureaux sont là. Va là-bas. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Voilà, on fait sa vie n'importe où. Tout est dans la tête. Tout est dans la tête. C'est tout. Voilà. Et le plus important, c'est ce que tu as mis dans la tête des enfants. Voilà. Et l'enfant est l'être humain qui capte bien, qui capte vite. Donc voilà. Si ça vous passez une bonne journée, bon début de semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse. God bless.